Nous voici pour cette troisième étape dans la ville de Santa Cruz de Tenerife, la plus grande ville de l'île. De Tenerife, où il fait très très chaud, hein, près de 37 degrés aujourd'hui, et là franchement ça fait vraiment du bien de se rafraîchir ici. Donc on va plonger une petite tête et puis ensuite on va dans les falaises tout là-haut là pour aller voir le Mirador, une superbe vue sur toute la plage. Mais pour l'instant c'est un temps génial. Allez, c'est parti. Obligé d'abandonner la voiture là-bas sur le bas-côté, il faut marcher sur la route pour justement aller voir cette vue incroyable. C'est bon, hein? Nous voilà donc arrivés dans la ville de La Laguna, à 30 minutes de Santa Cruz de Tenerife. On va faire une petite balade avant de rentrer à l'hôtel. Belles bâtisses, hein, des bâtisses aussi bien colorées, blanches, et des bâtisses un peu plus gothiques comme celle-là, ce qui donne vraiment au lieu un charme vraiment typique, hein. Comme les cactus. C'est nul!
Il est 16h20 hein, et tu l'as vu dans les rues de la Laguna, c'est plutôt vide. Alors c'est vrai qu'il fait vraiment très chaud, hein. Là il fait 37 degrés encore aujourd'hui et les rues sont plutôt vides. Donc on va quand même en profiter pour se mettre à l'intérieur au frais et boire un petit coup pour se rafraîchir le gosier. Après s'être bien baladé de toute cette journée, on quitte la Laguna pour retourner à l'hôtel avec plus d'une heure de route en voiture. Retrouve la prochaine vidéo. Allez, kick!